Salut les bandits! Comment allez-vous? Nous, ça va pas trop mal. Il fait froid! C'est un truc de fou! Comment il fait froid? Il y en a marre! Il y en a marre! Les saisons, elles sont pas décalées en fait, hein, parce que là, les saints de glace, tout ça, c'est vraiment vrai. Hein. Il caille, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je vais vous faire voir dans les vidéos qui vont arriver là. Dans la vidéo qui va arriver, on a refait le plancher avec le frangin. Voyez? Hop! Normalement, vous êtes déjà un petit peu au courant si vous étiez sur le direct dimanche, qui a réuni énormément de personnes d'ailleurs. Le direct en a halluciné. Voilà. Donc du coup, c'est fini. Je vais vous mettre les vidéos. Bonjour à tous les bandits. On est en train de bricoler aujourd'hui. Et en fait, on fait quoi? On est en train de boucher le couloir. Regardez. Hop! On bouche le couloir et on est en train de faire tout ça. Comme ça, voilà, on peut marcher librement au milieu. Et ça nous donne déjà un aperçu de ce qu'on aura en hauteur, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, mais ça on le savait. Donc on se met au boulot et on vous dit à tout à l'heure. Voilà, ici on va être obligé d'en mettre deux, parce que sinon il risquerait de bouger. On est un petit peu haut là. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on vous a pas montré, mais on a fait quatre trous là, et on a cassé les mèches. Il n'y a rien qui allait, c'est toujours vers la fin. C'est bon, on bouge plus. Ne bouge plus, parce que là on a un petit renfort, on est obligé de percer beaucoup plus profondément le métal. J'ai failli perdre mon petit frère hier. Bah, il faut raconter ton expérience, Ouais, Max. vas-y. Il ne faut pas dégraisser quelque chose avec du nettoyant frein dans un camping-car quand on est en train de faire chauffer le café sur une plaque au gaz. C'est un peu ça. Un retour de flamme énorme, quoi. Il faisait pas beau, il pleuvait, il y avait du vent. Et tiens, je vais dégraisser un truc. Sur ma Bien table s'occuper, de quoi. salon avec du dégrais sans frein. Sauf que c'est vachement volatile, le dégrais sans frein en aérosol. Tout le gaz s'est imprégné dans l'intérieur du camping-car et comme il y avait son café qui était en train de chauffer. Et là, ça fait. C'était trop ça. Oh bah ouais. Il a brûlé sa barbichette, ses cheveux, ses Mes sourcils. sourcils et tout, mes cheveux et Non, mais tout on en ça. rigole, mais c'est pas Non, drôle. c'est pas drôle Comment là. ils sont brûlés, tes Bah sourcils. ouais. J'étais obligé de couper. On en rigole, mais Mais c'est pas non. drôle. Mais voilà, ne faites surtout pas ça. Voilà, il t'a cru que t'allais exploser le bordel. Ah bah oui. J'ai vu les flammes lécher le plafond et tout. Et tout. Oh, j'ai eu chaud. Oh la vache. Très très chaud. Ne faites pas ça. Allez, nous on finit et on vous dit à tout à l'heure. J'ai envie de pleurer. Sur le plafond pour nettoyer le toit. Donc, vous savez, il est plein de petits champignons comme sur les toitures, donc c'est resté assez longtemps.
Alors j'avais un produit pour nettoyer les toitures et puis j'ai mis un savon, mélangé tout ça pour essayer de gratter, mais voilà, faut que je fasse tout à l'éponge qui gratte. Et je vais galérer parce qu'il y a 12 mètres à faire et je vais vous montrer tout ça, je vais faire un petit time-lapse. De toute façon, il n'y a pas à tortiller, hein. Il faut de l'huile de coude. Là, voilà, ça va minimiser le produit et puis au moins, ça sera. Je vais gratter, donc je vais plus ou moins poncer et puis après, je vais tout peindre. Parce que les panneaux solaires vont bientôt arriver et je vais en profiter que j'ai pas l'isolation pour pouvoir les monter avec des grosses cornières en aluminium et je vais fixer tous les panneaux. Comme ça, au moins, ils seront mis, on n'en parle plus. Donc forcément, j'ai envie de passer un coup propre de peinture. Bon, là, j'en ai marre. Je suis en train de péter un câble parce que ma batterie, ma carte, ils me disent qu'elle est pleine, je viens de la vider. Là, des fois, c'est chiant. Chaque fois, je fais que ça. Depuis tout à l'heure, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Là, ça me prend la tête. Je vais réussir à vous montrer, hein. C'est ça bien, hein. Hein? Oui, maître. Alors on met le produit à toiture avec la brosse et on voit bien, regardez, ça dissout un petit peu les moisissures et les vous savez, les genres de champignons. Et du coup, c'est pas mal. Puis après, on frotte. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut frotter. Donc voilà. Et Max, il fait ça bien, frotter. Hein. Normalement, je devrais pas passer derrière toi. J'ai pas encore fait là. Ouais. Ouais, voilà. Pas encore fait. Il fait vraiment ça bien. En plus, il a vraiment un beau pull. Hein? Allez, on continue.
Quand je vous dis que nos bandits sont des dingues et des fous. Ouais, dingue, c'est le mot est faible, hein. J'ai oublié son prénom. Pascal. Pascal, il est venu de où? Pour chercher son pull personnalisé. Ouais, personnalisé. Voilà. On n'avait pas le 3XL, du coup il a ramené son pull, un pull fétiche, son pull préféré. Et on lui a fait un The Vadrovia. Et vous savez d'où il vient? De Valenciennes. C'est pas un dingue. Il est venu en moto, sérieux. Il est venu en moto avec une grosse Suzuki, c'est une quoi? Un 1100 GS. Un 1100 GS comme il y a dans Joe Bartim là, vous voyez les... ceux-là là. Et il est venu de Valenciennes. Moi, je pensais qu'il était de Valenciennes, mais pas qu'il venait de Valenciennes. C'est un truc de dingue. Après, c'est pour plaisir de faire de la moto aussi. Il a mis 6 heures. En fait, voilà. Environ 6 heures de route. On est dans une bande de dingue, moi, je vous le dis. Et le pauvre, en plus, je lui avais dit, bah, essaye de venir en début d'après, mais tout, parce qu'après, il y a le sport des enfants, c'est compliqué. Et le pauvre est là, il vient à peine et il va devoir déjà repartir. C'était un plaisir de faire le pull. En plus, on l'a fait sur place et tout. On a eu la pression quand même. Ouais, c'était. Quand on prend les affaires des autres, c'est jamais évident. On est vraiment dans une drôle de bande. C'est fou, quoi. Mais on les aime, nos petits bandits. Hein. Moi, j'adore voir ça, la folie des gens. C'est excellent. Par contre, je tiens à dire, les frais de port sont offerts. On ne les fait pas payer. Hein? Oh, monsieur est bien bon. Ah oui, mais c'est comme ça. Hein, voilà. Bon, en tout cas, bonne route pour le retour et à bientôt. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Ouais, aussi, de rencontrer les bandits comme ça qui viennent d'aussi loin et en moto, c'était cool. À bientôt, bye bye. Bye bye. Voilà, Max est en train de finir le rinçage. Là, on a lavé aussi les parois parce que du coup, ça s'était tout sali. Et on, là, on a quasi fini, quoi. Donc, on est content. Hein? Là, on va aller sûrement chercher la peinture en mobilette. Prendre un peu de bon temps en attendant que ça sèche. Et puis après, un coup de rouleau. Un gros coup de rouleau de peinture anti-rouille blanc brillant. Comme ça, c'est facile à nettoyer. Et ça va mettre une petite couche protectrice sur tout le toit. Voilà. Parce qu'après, quand il y aura les panneaux, je ne pourrai plus venir peindre en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Bon, et bien voilà, cette vidéo se termine. On était en train de bricoler avec Max. Et puis, Charlotte est partie chercher la peinture. Du coup, j'ai dit, tiens, on va sortir la mobylette. Et là, j'ai vu que... Non, c'était j'ai sorti la mobylette pour aller voir Pascal, qui ne trouvait pas le chemin en moto. Autant vous dire qu'il y a eu du mal à me suivre avec son sang. Et en arrivant, j'ai dit, tiens, il y a un drôle de bruit. Ça faisait clac, 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 clac. Hein, ça tapait bizarre. Hein. Et en fait, c'est le joint torique. Enfin, c'est un joint poussière ou torique de sortie de Villebrequin, côté variateur. Il tournait sur lui-même dans son logement. Donc, mais il était en bon état, du coup on l'a démonté, tout dégraissé, on a regraissé les roulements qu'il y avait à l'intérieur, on a remis le joint torique, on l'a collé, paf. Vas-y, on a tout remonté et ça va nickel. Vous imaginez une panne bientôt, alors que c'est bientôt la juste VAD. Avant la VAD, ouais, franchement, clair. Ça le fait pas, quoi. Donc je suis content, la mobilette est réparée et on attaque la peinture demain. Donc voilà, à suivre dans la prochaine vidéo, la peinture et peut-être le montage des panneaux solaires. Si on les reçoit. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a encore un fichu jour férié aussi cette semaine. Ah ouais, ça c'est galère les jours fériés. Ouais, on vous fait à tous des gros bisous. À bientôt. Allez, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye.